Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir des lingots en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une petite ville, une grosse ville comme Tilted Tower. Et ensuite, vous allez dans des bâtiments où il y a des coffres et des lits. Parce qu'en fait, les coffres vont vous donner des lingots d'or et les lits vont vous donner des lingots d'or aussi. Donc bien entendu, si vous tuez un adversaire, vous gagnerez aussi des lingots d'or. Donc ici, regardez, là, il y a un lit. Si je casse le lit, ah, celui-là m'a pas donné. Donc, ils n'en donnent pas à tous. Hein. Regardez, là, il y a un canapé. Là, le canapé m'a donné des lingots. Donc, les lits, 2 personnes et les canapés, 2 personnes peuvent vous donner des lingots d'or. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans les maisons, si vous y allez, ben, vous allez pouvoir obtenir des lingots. Regardez, là, il y a un lit. Ah, celui-là, il m'en a pas donné. Ils n'en donnent pas à tous, hein, les lits. Mais voilà, c'est un peu aléatoire. Alors, il y a une autre solution, si vous voulez vraiment que ça aille plus rapidement, parce que vous, pour terminer le défi, vous allez devoir récolter 100 lingots d'or. Donc, il y a une autre solution. Ce que vous faites, c'est que vous allez près d'une voiture avec, avec de l'essence, hein, avec moins 100 d'essence, comme celle-ci, voilà, parfait. Et là, vous mettez un chasse-pierre dessus. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement détruire la base d'un bâtiment, ce qui va faire que le bâtiment va se détruire complètement, et ensuite vous aurez juste à récolter les lingots d'or qui seront tombés. Parce qu'en fait, il y a des coffres aussi qui sont disponibles, des coffres forts qui sont disponibles sur Fortnite dans certains emplacements, surtout dans Tilted Tower, vous pouvez facilement en trouver. Et ces coffres vous donnent genre 200-300 lingots d'or, donc si vous en trouvez un, bah, vous êtes refait directement. Donc là, regardez, j'ai cassé la base du bâtiment, on va juste essayer de tuer cette personne. Voilà, parfait. Et là, regardez, donc déjà, je récupère les 7 lingots d'or de la personne, plus les 7 qui est ici, les 7 qui est là. Ok, il y a encore des lingots d'or juste ici. Là, il y en a 18. Waouh, 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 waouh. Oups, 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 oups. Donc là, il y en avait 18 hein, de lingots d'or. Donc ça veut dire que je crois qu'il y avait un coffre hein, qui m'a donné ça, à mon avis. Donc voilà, dès que vous avez terminé de loot ce bâtiment là, bah vous passez à un autre bâtiment, vous détruisez la base d'un autre bâtiment et vous récoltez l'or à chaque fois, et vous faites ça en illimité. Je pense que vous n'êtes même pas obligé de sortir de votre véhicule hein, pour ramasser l'or. Regardez là, regardez tout l'or qui est tombé là. On va essayer de le récupérer en voiture. Voilà, ça marche en le récupérant en voiture hein. Donc c'est assez cheaté, hop hop hop. Vous n'êtes même pas obligé de sortir de la voiture pour réaliser ce défi. Et regardez tout l'or qui est tombé, c'est juste hallucinant. Regardez, franchement, ce bâtiment, c'est une mine d'or. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré 100 d'or, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!